Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un swap de Saint-Valentin. Donc, bien sûr, je fais ce swap avec ma petite chérie, ma petite Manon, comme à Noël, voilà. Sauf qu'on le prépare, on le préparait celui-ci en alternance, enfin, en même temps, puisque... Celui de Noël, je vous remets le premier ici et dans la barre d'infos de celui-là, vous avez les deux autres parties. C'était principalement du vide-placard et là, on avait décidé... Normalement, on voulait le faire pour l'été, se faire un swap vraiment où on se faisait plaisir, sans budget, avec juste un nombre de paquets. Au départ, on a commencé à 15, on est passé à 20, 25, puis on arrive à 30 et j'en ai mis 31. Voilà. Je pense qu'elle a triché aussi un peu, hein. Et donc voilà, on a vraiment décidé de se faire plaisir pour la Saint-Valentin, puisqu'on est amis et qu'on se voit que très rarement. Là, on se les est gelés, mais pas possible. Je vous jure, c'est pour ça que j'ai mon pilou-pilou, j'arrive pas à me réchauffer. C'est un truc de fou. Ça fait 2 heures que je suis rentrée, une heure que je suis rentrée, et j'ai toujours aussi froid. Je n'arrive pas à me réchauffer. C'est un truc de fou. Il faisait 3 degrés, on était sous la pluie. On est resté 1h30 à papoter sous la pluie, dans le vent et tout, mais le plaisir de se voir passe au-dessus. Voilà. Et j'ai eu mon cadeau d'anniversaire aussi, donc si vous avez regardé le vlog de dimanche, vous avez vu ce que j'ai eu. Et vous le verrez de nouveau le 17. Et donc voilà à quoi ressemble mon swap que j'ai reçu. C'est hyper lourd. Donc on passera à ça après. J'ai d'abord le sachet de Saloperie. Merci Manon. Alors, il n'y a pas que pour mon cul qu'elle se tracasse, il y a aussi pour celui des chiens et du chat. C'est sympa. Moi, j'ai oublié Guimauve. Pauvre petit Guimauve. J'ai oublié ses petites friandises. Bon, j'arrive déjà pas à ouvrir le sac, ça promet. Allez. Donc, il y a des friandises pour le chat. Des friandises pour les chiens. Oh, oh ça, le gros, il va adorer. Il va adorer. Que je vais lui donner tantôt. Oh, elle m'avait demandé ce que je préférais. Je vais lui dire les M&M's et les Ferrero Rocher. J'ai 2 paquets de M&M's et une grosse boîte de Ferrero Rocher que je ne vais absolument pas partager. Voilà. Merci, ma vie. C'est tout pour moi. Si mon mari et mon fils en veulent, ils ont qu'à se faire des amis et faire des swaps avec leurs amis. Voilà. Ça, c'est pour moi et les bébés. Je vais me régaler ce soir. Donc, on va commencer, je suppose, que c'est par le carton du haut. Donc, je vais enlever son magnifique ruban qui tient les deux. Ah, si j'arrive. Attendez, j'ai les balles, j'arrive. Quand je vois les belles boîtes qu'elle a été achetée et tout, moi, je les mets dans un panier d'action. Donc, je prends la première caisse parce que je suppose que celle du dessus est la première. Je suppose... Oh, elle a mis des petits pétales de fleurs. Oh, c'est beau, ça. Oh. Ouais, je vois le numéro 1. Je vois... Putain. Oh. Un beau petit... Je vois pas le menu, mais ça doit être ça. Ouais, je suppose que ça, c'est le menu. Une belle carte comme ça. Toi aussi, tu sais tout ce que je pense de toi. Donc voilà, c'était un gentil petit mot personnel. Elle me dit juste qu'il y a des bonus, bien évidemment. Je la connais. Elle m'a fait un joli menu comme ça. Donc elle me demande de ne pas le lire à l'avance parce qu'en fait, on était censé le filmer que demain. Mais j'ai pas pu résister et du coup, elle, en comprend, elle va le filmer aussi. Alors, menu swap Saint-Valentin. Numéro 1, c'est la première chose que j'ai achetée pour ce soir. Et c'est celui-ci. Le petit ruban est magnifique. Ça, je vais me le garder. J'adore garder ces petites choses-là. Donc, bah écoutez, on déballe. Chose qu'on n'a pas pu faire dans le swap précédent, c'est de tout déballer d'un coup. Et je sais qu'elle, elle n'a jamais fait de swap où elle pouvait tout déballer d'un coup. Donc, voilà. Donc, oh, je sais ce que c'est. Ça commence fort. Alors, vous risquez de m'entendre dire 15 fois que je vais la tuer ou que je vais lui casser la gueule. Je vous préviens, c'est tout en amour hein, que je dis ça. Voilà.
Je l'aime, je vais pas aller la taper. Mais là, j'ai déjà envie de lui casser la gueule, par contre. Elminir. Alors, moi, j'ai commencé crescendo, le swap de son côté. J'ai commencé vraiment les petits trucs, et puis aller vers le meilleur. Et elle me met tout de suite un coup de fou. Oh, Amy va être jalouse. Il y a du mauve, beaucoup de mauve. Elle est très jolie. Oh, ce petit orange corail, là. Oh là là. Bon, je ne vais pas dire merci à chaque paquet. Hein. Je dirais merci à la fin. De toute façon, je lui ai envoyé un message juste après pour lui casser la gueule virtuellement. Et ça, c'est déjà énorme. Elle m'énerve. Oh, le dieu. Et il y a des petits cœurs en relief collés dessus. Oh, j'enlève les petits cœurs pour les garder. J'ai mis où mon petit nœud. Non, pas mettre les papiers. Voilà. Oui, je fais de la récup. Alors, pour utiliser ton premier cadeau. Mais c'est du liquide. Pour utiliser ton premier cadeau. Hein? Je comprends pas puisque c'est du liquide. Mais c'est bien emballé, hein. Oh. Ah, elle m'a repris la brume Arielle. Génial, je l'adore cette brume, elle est super hydratante. J'adore, j'adore, j'adore. Je vois pas le rapport avec le premier cadeau. Pour utiliser ton premier cadeau en 3. Alors attendez, je cherche ici. Je voulais trouver un dupe du blush que tu aimes chez Essence Floral Grunge, mais je ne suis pas sûre d'y être arrivée. Donc c'est un blush. Oh. Intelligente ta fifi, mais quelle intelligente ta fifi. De chez Emur. Oh, il... le packaging est super beau. Non, alors c'est pas du tout la même teinte. Ça tombe bien puisque vu que j'ai déjà le Floral Grunge. Je sais pas si je l'ai gardé d'ailleurs. Je vois pas si parce que je l'aime bien. Il est très beau le packaging et tout. C'est la teinte Blushed Atomic Tangerine. Ah oui, non, Blushed et c'est la teinte Atomic Tangerine. L'autre, le... il est plus néon. Mais celui-ci, elle est très beau. Il sent rien. Pourquoi je sens, je ne sais pas, mais... Ah, j'ai hâte de tester ça. J'aime beaucoup. C'est une teinte que j'aime beaucoup. Voilà. Je vais avoir trop de choses à tester. Hein. Beaucoup trop. Alors. Le 4. Non, là, c'est le 11, le 6, le 5. Attendez, je vais faire un peu de place. Le 7, le 5. 10. Faut quand même que je fouille, hein. Le 4, ici. Car tu voulais en tester un. Il y a beaucoup de choses que je voulais tester. C'est marqué Love sur le paquet. Ah, je crois que je sais. C'est le fond de teint Kiko. Ouais. Du Unspected Paradise. Elle m'a pris la teinte porcelaine. J'espère que ça ira. Elle m'avait demandé, hein, je savais qu'elle allait me le mettre, elle m'avait demandé la teinte. Oh, c'est très beau. J'avais très envie de tester un fond de teint rouge. Oh là là, le packaging est super beau. Superbement beau. Oh oui, ça devrait aller. Nickel. Ah, il sent quelque chose que je connais. Ils sont bons. Plein de choses à tester, j'adore ça. Voilà. Le 5. J'adore utiliser ce soin. J'espère qu'il te plaira tout autant. Bon, voyons voir ça. Encore un petit ruban et de la laine. Je vais plus avoir de place sur mon bureau avec tous les papiers. Ça va trop vite à déballer, hein, depuis le temps qu'on prépare. Alors. The Ordinary.
j'ai jamais rien testé de chez eux, Hydrator and Oil, avec 2% d'acide hyaluronique et du B5. Et donc, du coup, ça s'utilise quand? Appliquer quelques gouttes sur le visage matin et soir avant les crèmes. Ouais, c'est un sérum, quoi. Bah, écoute, j'ai hâte de tester ça. Je ne connais pas du tout les produits The Ordinary. Je retarde d'une guerre, je sais, mais j'ai jamais rien testé. Donc ça, c'est très bien aussi. De toute façon, les sérums hydratants, j'en ai jamais assez. Alors, en 6, rien que pour les paillettes, elle vaut le coup. 6. J'ai mis là. C'est énorme. Alors là, il me faut mon ciseau. Oh, je sais plus où je l'ai mis. Oh là là. Je prends les papiers, pas. Rien que pour les paillettes, elle vaut le coup. J'ai vraiment lui casser la gueule. C'est la Morphe 24A Artist Pass. Donc celle-là, franchement, j'ai largement hésité avant si je voulais me l'acheter ou pas. Parce que c'est vrai que rien que pour les paillettes, elle donnait très envie. Mais finalement, j'ai résisté. Et j'ai bien fait. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc, vous vous attendez bien à avoir plein de swatches de make-up qui vont débarquer. Mais elle est canon. Elle est belle. Oh, les petites étoiles, là. C'est vrai que cette rangée-là et ces deux phares-là, moi, c'était vraiment... Oh, celui-là aussi, il a l'air beau, en fait. Oh là là. Oh, celui-là aussi, il a l'air spécial. Un peu entre le beige et le jaune moutarde, comme ça. Oh là là. Il y a un jaune moutarde juste à côté. Ici, c'est du néon. Oh, je vais détester ça. Vous allez avoir du swatch et make-up. C'est pour ça que on a limité j'ai limité les achats. Je savais que ça allait être un truc monstrueux. Donc, mais j'ai déjà envie de lui casser la gueule là. Je vous le dis tout de suite. En 7, pour réchauffer ton teint. Donc ça doit être un bronzer. Et vu la taille du paquet, je vais en avoir pour deux décennies à l'utiliser. C'est tout beau encore. La même collection. Inspecté Paradise Bronzer. Il est énorme. Je pensais pas si gros. Oh là 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 là. Les packagings sont divins. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de produits Kiko. Oh, ils sont bons. Ils sont bons comme le fond de teint. Mais en plus, c'est le monoï, ils ont. Ah ouais, c'est le monoï. Oh, et puis la teinte a l'air parfaite. Oh là là là. On a déjà presque tout pour faire un make-up complet. J'adore, j'adore. Oh, la suite. Je suis excitée comme une puce. Comme une puce. Alors, c'est le 8 après. Hein. Pour dompter les cheveux repelle, j'espère. Alors, c'est le 8 que j'ai dit. Hein. Bon, là, il y a de la triche. Hein. Le 9, il est emballé par deux. Je te jure, il m'énerve. Oh là, gros ça. C'est un gros ça. Je vais me tracasser dans pas longtemps pour savoir si... je crois qu'elle a exagéré un peu sur beaucoup de choses. Hein. Donc, il y a des scotch encore et j'ai encore perdu mon ciseau. Voilà. Je suis un peu dégoûtée, moi. Oh, mais c'est trop beau. Je sais plus où mettre mes papiers. C'est magnifique. C'est du Bedhead Tiggy After Party. Crème lissante pour les cheveux soyeux, brillants et sains. J'adore le packaging. J'adore, j'adore. Et donc ça, ça s'utilise appliqué sur cheveux secs et que la fête continue. D'accord. Contrôle les frisous.
Le petit cadeau parfait, la crème after party pour des cheveux d'aspect soyeux, lisse, brillant et sain. Contrôle les frisous et rend tes cheveux doux. Applique sur cheveux secs et que la fête continue. Je sais pas si je vais sentir l'odeur. Oh, mais ça a l'air de sentir trop bon. Oh, ben ça, je crois que je vais tester dès demain. Voilà. Et il y a aussi un masque pour les cheveux à la kératine. Antifrise et hydratant. Voilà, c'est avec une charlotte, si j'ai bien compris. Donc, bah, ça aussi, je testerai, j'en suis ravie. De toute façon, si ça peut dompter mes frisottis, je prends. Bref, tu m'avais dit que tu n'en avais pas beaucoup, ça a changé depuis. Ça doit être des pinceaux. Je pense. C'est le 2. Ah, pour utiliser ton premier cadeau, j'ai compris. Mais alors, la brume, c'était quoi alors? Bah écoutez, la brume, c'était pas le bon. Mais voilà, pour utiliser ton premier cadeau, ça a plus de sens que la brume. Je comprends mieux maintenant. C'est les tamis en version améthyste. C'est vrai qu'elle avait dit qu'elle me les prendrait quand j'ai commandé. Moi, je lui ai pris les cristals, mais lui dites pas encore. Hein. Moi, je lui ai pris un kit aussi. Voilà. Donc, les manches sont différents, mais c'est exactement les mêmes pinceaux et je les utilise très souvent. J'aime beaucoup, beaucoup les pinceaux tamis. Et les manches sont vraiment très beaux. Moi, j'ai les autres. J'essaie de vous en trouver un qui est propre. J'ai les cristals et ça, c'est les améthystes. Donc, voilà. Petite copine. C'est vrai. Je savais qu'elle me les avait pris, mais j'avais oublié que je le savais. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses que forcément on a dû lâcher la mèche, puisque s'il y a des produits qu'on avait envie l'une l'autre, et puis qu'on disait j'ai envie de me le commander, mais elle disait non, tu peux pas. Donc là on comprenait tout de suite que je lui ai gâché quelques surprises, elle m'en a gâché quelques-unes, mais ça reste quand même. Il y a des trucs qu'on a oubliés de toute façon. Alors, Get Wet pour le 10. J'ai mis où le 10 ? Ici. Get Wet. Ce serait peut-être bien un highlighter effet mouillé. Suite Be Perfect, la dernière collaboration avec Stacy Mary. Trop bien, tu vois, j'ai trop envie de voir la couleur. Il me faisait très envie celui-là. Elle le savait. En même temps, elle me connaît trop bien. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Non, mais c'est de la torture. Enfin, ou alors c'est mon ciseau qui fait de la merde, mais. Ah, voilà, de ce côté-là, ça va mieux. Ou pas. Je suis en train de charcuter ce pauvre carton. Heureusement que je les jette, les cartons. Hein. Le packaging est comme ça, donc c'est la teinte Skin Sheen. C'est la teinte qui tire sur le vert. Ça me étonne. Et oh là là, les reflets verts. Avec un petit truc de protection. Oh, la texture est surprenante. Oh, la couleur est magnifique. Je sais pas du tout si vous allez voir, mais oh là là, il y a des petites paillettes bleues et vertes dedans. Magnifique. Vraiment le genre d'highlighter que j'adore. Merci ma biche, j'adore tout de toute façon. Jusqu'à maintenant j'aime tout. Contente. Oh il est trop beau, magnifique. Je suis pire qu'une gamine à Noël, mais c'est tellement bon. 11, tu sentiras la pastèque. Oh, ça m'a fait peur. Oh.
mais non. Oh. Un coffret de chez Mac. Le fixe plus. À la pastèque plus le mini fixe plus. Trop bien. J'ai jamais testé le fixe plus. Oui, je sais, je suis en retard d'hier. Mais trop bien. Oh là 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 là. Mais je vais avoir trop de choses entamées de nouveau. Affreux. Affreux. Et y a, ouais, le grand, il a la pastèque et le petit, c'est le classique. Trop bien. J'ai jamais testé ça. Oh, j'ai envie de tout m'appliquer sur la tronche maintenant. Tout de suite. Je vais mettre les papiers par terre. D'une grande délicatesse, n'est-ce pas? Mais le 9 est là. Manon, je crois que tu t'es plantée dans les étiquettes. Hein. Parce que là, il y a le 9 maintenant. J'ai eu deux fois le 9. Ou j'ai ouvert le 6, rien que pour les paillettes, elle vaut le coup. Tu m'avais dit que tu n'en avais pas beaucoup. Ça a changé depuis. Et là, c'est de nouveau le 9. Je suis pas folle. Attendez, je récupère mes papiers. 8. C'était un emballage comme ça. 2. 6. Rien que pour les paillettes, elle vaut le coup. Ok. Mais j'ai ce. Bah non, tu m'avais dit que tu n'en avais pas beaucoup. C'était les pinceaux de chez Tammy. Mais je sais plus lire ou comment ça se passe. J'ai fait une boulette, Manon. Ils étaient emballés dans quoi? Les pinceaux. Le 2, c'était quoi? Pour utiliser ton premier cadeau. Ah non, c'était celui-là, le 2. C'est la brume que je me suis trompée. Mais alors, pourquoi j'ai le 9, là? Tu m'avais dit que tu n'en avais pas beaucoup. Je suis perdue. Oui, hein, on est d'accord, c'est un 9 là. Regardez, je suis pas folle, c'est un 9. Maintenant, je suis désolée, je sais pas ce que j'ai foutu, je sais pas si je me suis plantée dans les numéros. Je ne sais plus. Je vois pas de numéro plus haut en fait, donc je n'ai pas compris. Okay. Tant pis. On fera comme ça. Hein. Oui, de toute façon, ça marchait pour les deux. C'est des pinceaux essence aussi. Catrice et essence. Donc ici, il y a le tentacle spectacle. C'est ça, hein? Bon, c'est ça. Et ben, ça m'a fait des pinceaux. Et ils ne veulent pas sortir, ceux-là. Oucha. Oucha. Alors, oh, les manches sont très beaux. Un petit pinceau éventail. Je vais pas savoir où mettre mes affaires. Hein. Un petit pinceau fluffy. Ah, bah écoutez, on déballe. Hein. On est là pour déballer. Hein. Un petit pinceau biseauté. Si vous voulez vraiment des bons pinceaux pas chers, profitez-en quand c'est... C'est les kits comme ça spéciaux de chez Essence parce qu'ils sont top. Un petit pinceau crayon. C'est vraiment de la super qualité pour un tout petit prix. Un petit pinceau, enfin un gros pinceau biseauté pour le top. Et le pinceau poudre, mais en forme d'œuf. Ah ça j'adore. J'adore. Moi j'utilise pour le bronzer ou le blush. J'adore ça. Voilà. Et le Catrice, ceux-là, ils sont trop beaux. Elles utilisent tout le temps et je les ai trouvés trop beaux quand j'ai vu. C'est le Destination Désert. Donc, c'est aussi un kit de 6 pièces. Ah, ils sont coincés. Ils sont coincés. Voilà. Donc, c'était la même collection qui était sortie pour... Le même moment en fait, hein, ici c'est Catrice, c'est la même fille. Bon, je fais beaucoup de brouille, hein, oui. On s'en fout.
On s'en fout. Je sais plus où mettre mes affaires. Un gros pinceau. Mais regardez le détail du manche. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est magnifique. Tout. On a l'impression que je sais pas, ils sont magnifiques. Magnifique. Le pinceau, plus pour le fond de teint, mais ça peut être bien pour appliquer le fond de teint pour. Et ils sont bien emballés en tout cas. Vraiment bien. Le pinceau classique biseauté. Celui-là, il peut être pas mal aussi. De toute façon, je les aime trop, les pinceaux. Essence, le kit qu'elle m'a offert à Noël, j'utilise très souvent. Un petit pinceau, oh, la poussière. Un petit pinceau biseauté sourcil. Un pinceau fluffy. Ah, plutôt boule. Donc, pour le creux, peut être sympa. Un pinceau plat. Ça, il n'y en avait pas dans le kit essence. Toujours pratique. Et voilà. Ok. Donc, je vais faire un peu de place. Plus de place sur mon bureau, c'est un peu de... Donc là, je vois bonus 3. Ben, écoutez, elle m'a dit que je les ouvrais quand je veux. Donc, je vais l'ouvrir. Hein, parce que comme ça, ils ne traînent pas. Ça sent les masques. les cheats. Masques. Ça tombe bien. Cheats. Tout à fait. Un de chez Yes2 Unicorn Peel Off Mask. Donc elle m'avait mis la dernière fois le gel nettoyant que j'adore utiliser, ça me fait trop rire. Voilà, il fait rien, pas grand chose, hein, mais j'aime bien. Un damasque rose, pure essence mask cheat. Big Fun Bubble Gum Boost, masque prêt à l'emploi. Donc hydratation boost. Et des petits en forme de cœur, comme ça, pour le tout des yeux. Oh, chouette. Voilà, moi, de toute façon, j'adore tout ça. Elle sait, je kiffe. Ok. Alors, j'ai le nez qui coule. Hein. Comme d'hab, vous allez me dire. Donc, j'ai le 12. Donc, logiquement, j'ai rattrapé ce que je m'étais trompé. Donc, je ne sais toujours pas où je me suis trompé, mais voilà. J'espère qu'il est aussi beau une fois appliqué. Donc, c'est un rouge à lèvres. Je pense. Vu la forme du bazar, je pense. Et... Bien, bien, bien emballé. Bien, bien, bien. J'ai toujours pas vu la marque. Rien. C'est de la totale surprise. Il veut pas. Il veut pas. C'est le Supernova. Donc voilà, on a déjà la teinte. Et c'est de chez Barriem. Ah non, c'est un eyeshadow topper. Ah, mais on est m'énerve. Avec ma gueule toute défraîchie, là, qui a pris la pluie toute l'après-midi. Donc on va essayer de le swatcher. Ah, ça va, il s'ouvre tout seul. Donc holographique eyeshadow topper. Il a l'air canon. Canon, de chez Canon. Oui, je sens, je sais. C'est bizarre que je sente mes trucs. Mais il est holographique vert. Vert bleu. Trop beau. Magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est Canon. Voilà, tout simplement Canon, Canon, Canon. J'adore. Oh ! J'ai plus de fond de teint au bout du nez. Hein. Alors, on va passer au deuxième carton, enfin, boîte, à la deuxième boîte. Il y a de nouveau un petit ruban. J'adore. Un petit nœud tout joli. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc là, on est au 13. Bonus 5. Non, mais elle exagère, elle. Hein. Bonus 1. 13. On va déjà faire le 13. Encore un soin que j'aime et que je pense que tu n'as jamais testé. Il y a tellement de soins qui existent et très, si peu que j'ai testé. Ah merde, il y avait des indices pour les bonus. C'est lequel que j'ai ouvert, bonus 3. Hein. C'est toujours bien d'en avoir en stock. Ouais. Elle m'a mis le Glow Tonic de chez Pixi. Donc non, effectivement, je n'ai jamais testé.
Le packaging est canon, c'est spécial Noël avec toutes tes paillettes comme ça. Ouais, j'adore. J'avais très envie de le tester, j'avoue. Donc voilà, encore un petit soin que je vais pouvoir entamer sans respecter mon project panne de fin d'année. Je vous remets juste ici si jamais vous n'avez pas vu, mais voilà. Je savais qu'avec le swap, je ne pourrais pas résister d'entamer d'autres produits. Hein. Bah, écoutez, je vais prendre le bonus 1 parce qu'il est encombrant. Voilà, c'est un petit carré. Bonus 1, j'étais obligée. Bah écoute, si tu étais obligée, hein, je ne comprends pas. Comme si tu n'en avais pas mis assez. Moi, je me suis dit déjà, je vais faire la surprise, je vais lui en mettre 31 à la place de 30. Et elle, mon amie, 6 6 en plus. Elle est bonne. Mais vraiment. J'ai perdu mon ciseau. Non, le revoir. Elle exagère vraiment. Non, mais. Fichu. Alors, c'est un espèce de petit bol. Casse. Il y a un an. C'est une tasse marquée Bichette dessus, excellent. Mais c'est génial. J'adore. Vous allez voir que je lui ai mis aussi un truc pour boire. Mais c'est pas une tasse personnalisée comme ça. Mais je pense que ça devrait lui plaire. J'adore. Trop folle. Bon, ben, j'ai le bonus 5 sous la main. Bonus 5, tu voulais le tester, le voilà en mini. Le size up de chez Sephora, elle l'a aussi en mini aussi. Mais je lui dis pas, hein. Je lui ai mis aussi en mini avec un autre. Donc trop bien, j'avais très envie de tester ça. Qu'est-ce que tu fous? Mais je déballe mon swap. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder pendant que je déballe mon swap, toi? Donc on en était. Encore un soin que j'aime. Ok, le 14, le livre de la magie. Bonne lecture. Alors attendez, j'enlève le petit nœud. Les petits nœuds sont trop beaux. Trop beaux. J'adore. Ça, je les garde. C'est la petite. Ah, je sais. Oui, c'est vrai. Je savais qu'elle me la prenait. Mais je l'avais dit tout. Donc, je vais enfin pouvoir tester les fards Beauty Bay parce qu'à part les fards liquides, j'ai jamais testé. Et c'est vrai que cette palette-ci, comme la Morphe, en fait, elle me tentait sans trop me tenter. J'étais pas sûre de me la prendre ou pas. Donc voilà. Voilà. Ah, après, c'est vrai qu'elle est belle. Ah, voilà. Donc, après, forcément, vous la connaissez, il n'y a pas beaucoup de surprises. Hein. Voilà, moi je serais contente de faire un swatch de make-up avec. Voilà, j'ai trop hâte. Mais j'aurai jamais assez de un crash test pour eux. Il va falloir que je fasse 15 crash tests, je crois. Je mets des papiers sur mon téléphone. 16 à appliquer après le cadeau précédent. Donc là, je sais aussi ce que c'est. Il faut juste que j'ai trop. Ah non, pas du tout. C'est ça. Je pensais que c'était le kit Polaris. Un beau petit packaging de Noyal encore de chez MAC. Ah, c'est des paillettes, mais trop bien! Des paillettes roses, mais c'est trop bien. Après la présentation, c'est des paillettes, des grosses paillettes comme ça. C'est génial. Oh, elles sont trop belles. J'adore. Elles sont très belles. Je vais m'éclater avec tout ça. Mais alors, truc de fou. 17. Choisis ton cake. C'est très clair. 17. 30. 19.
Bonus 4. Donc, je vais le mettre de côté. 27. Je sais plus où poser. Il y en a trop. Donc, choisis ton cake. Ça n'a rien à voir avec 15. Mais pourquoi 15? Pour prendre soin de tes lèvres. Je l'ai passé le 15. Voilà. Donc, on prend le 15 déjà pour commencer. Mais je sais pas ce que je fous. Hein. Je suis trop excitée. Elle va m'en vouloir. Elle va être fâchée après moi. Elle ne va plus m'aimer. Je fais des bêtises. Il est tard. Un lip scrub de chez Barry M. Donc ça, c'est nickel. Ça tombe super bien. J'ai presque fini mon lip. Que j'ai depuis 2 ans. Non, 1 an. Un peu plus. Ils ne disent pas quel parfum il est. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite hein, parce que... Non. Si, peut-être là. Watermelon. À la pastèque. Elle est accro à la pastèque. Hein. Donc, tu vois, je l'ouvre pas tout de suite. J'attends de finir mon mix. Ou de jeter mon mix. 19. 27. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Choisis ton cake. 17. Et 6. 17. Choisis ton cake. Ah, c'est... C'est le liner cake néon de chez Tamiki. Ça aussi, je savais comment le faire. Ouais. Oh putain, je les ai attendus avec impatience. Le verre. Oh là 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 là. Voilà. C'est les 5. Il manque le blanc, mais le blanc, j'ai le Sova Beauty, donc j'avais dit que ça servait à rien. Voilà, ils sont trop beaux. Ça marche trop bien. Alors. Bon, écoutez, j'ai le bonus B6 en main. Parce que le jaune, oui, je l'appelais comme ça, petite, c'est la vie. Parce que le jaune, oui, je l'appelais comme ça. C'est la vie. Ah, trop fort. Elle m'a bien sachée d'aromane. Toi, tu regardes mes vlogs un peu trop bien. J'en avais plus, j'étais tombée à court, j'ai dû courir en acheter. Voilà, le jaune, c'est la vie, je suis d'accord. Nous aussi, on disait les épices jaunes quand on était petit. Trop fort, trop fort. Mais je vais les mettre dans le sac des trucs à bouffer. Hein. Trop fort. C'est alors celle-là, je la voyais pas, je l'ai pas vue venir, ça m'a rouvré à mon temps. Alors, le B4, c'est encore du brillant. Je vais pas m'en remettre des aromates, vraiment pas. Elle est taille. Le Stay Wild de Shiglam, donc j'ai 0 produit de chez Shein. Shiglam, c'est la marque de maquillage de Shein. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir demandé de la tester, mais j'ai pas envie de dépenser des sous pour commander des produits à tester. Et si jamais ça me plaît pas et tout ça, j'ai pas envie quoi. Là, il faut que je mette de côté cette année, donc c'est du costaud, hein. Ou alors c'est mon stylo qui est vraiment con. Donc, je suppose que c'est les petites paillettes de chez eux. J'ai vu. Bien sûr. Je les ai déjà vues. Oh, elles sont belles. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de teinte. C'est juste vert. Il y a une opercule. Ah, ça, c'est très bien. Ça évite qu'ils sèchent. Oh là 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 là, c'est beau. Par contre, ça pue. Ça pue pas bon. Hein. Ça sent vraiment le chimique. Alors, c'est un gel, une texture vraiment gel. Oh là 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 là, elles sont belles. C'est des paillettes holographiques bleues, vertes. Oh, j'adore. C'est magnifique. Magnifique. Oh, je suis ébaudie. Il y a trop. Il y a beaucoup trop. Non, j'ai des paillettes partout, mais il y a beaucoup trop. Ensuite, on en était où? Carte regrettée de ne pas l'avoir pris pour toi, en numéro 18. Ça c'est le 20, 24, 26, 18. Je sais ce que c'est. C'est le cadeau que je lui ai fait pour son anniversaire. Tout à fait. Le Eevee Glitter Holo de chez Ongle 24. Je lui avais envoyé, je lui avais fait une commande d'Ongle 24 pour son anniversaire. Et quand je l'ai vu, je dis, oh, j'aurais dû me le prendre. Et il est canon.
Magnifique. Vivement que je fasse le swatch. Vivement que je le mette sur mes ongles. D'ailleurs, j'adore. Merci. Tu le voulais, numéro 20. Tu le voulais, numéro 20. Mais il y a beaucoup de choses que je veux. Ici. Ah, c'est suite chez Bultibé, le Peacock. Ouais. Le Peacock. Je l'ai bu. C'est un crayon vert. De chez Bultibé. Ah oh. Encore une qui sponsorisée par Scotch. Voilà. J'ai enfin réussi à l'ouvrir. Alors là, c'est un peu marqué. Oh. Mais c'est Peacock, hein, je crois. Pi. Picoque. Alors, c'est un crayon rétractable qui est vert à paillettes. Oh, c'est un bleu canard avec du doré dedans. Trop beau. J'ai hâte de tester ça. J'ai hâte de tout tester, papa. Mais j'ai encore sauté le 19. Non, mais, oh, mais dites-le moi quand c'est comme ça. 19. Paillettes. Du chez Morphy, encore, mais elle est folle. Une palette de paillettes, si je comprends bien. Logique de la chose. Donc c'est la DG Glisten Up. Glisten Up. Ah oui. Oh, oh la vache. Oh, je l'ai même pas vu passer celle-là, moi. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Mais alors les deux là, ici. Elle est verte, bien sûr. Oh, même celle-là, bien sûr. Oh non, non, non. Mais il y a trop là, mais je ne saurais jamais tout tester. Voyons. Truc de fou. Je suis débordée de débordement. Alors, 21. Pink maigri. Pink maigri. Pink maigri. Mais gris, couleur grise, hein, pas maigri, perte de poids. Hein. Je précise, hein, parce que... Encore emballé dans un carton comme ça. La montagne de papier sur mon bureau. Je crois que je rangerai tout demain. Hein. Pink. Ah. C'est un masque détox. Ça vient de chez Victoria's Secret, c'est un pink. Ben oui, masque à l'argile. Clé masque pink. Oui, pink, mais gré. D'accord, j'ai compris. Wow. Ben écoute, je testerai ça. Hein. Marche à suivre. Mais bon, ça, je l'irai le jour où j'utilise. Hein. Je ne vais pas m'amuser à lire maintenant. Très curieuse de voir. Très, très, très curieuse. Alors, j'en étais où? Pink maigri. Merci, ma wishlist. Numéro 22. Tu me prends des trucs qui étaient dans ta wishlist? Pas comprendre. Non, pas comprendre. J'aime beaucoup la petite boîte aussi. Elle est très jolie. J'ai compris. C'est le... Shampoing solide de chez Lush, la collection de Noël. Oh, c'est vrai qu'ils sont bons. Oh, oh j'adore l'odeur. Oh, ça sent trop bon. Oh, j'avais trop envie de le tester aussi.
Et c'est vrai que je commande jamais chez Lush, moi c'est très rare. J'avais fait une commande, je crois, c'est toute ma vie. Donc merci. Encore un truc que j'ai à tout tester. Mais je vais jamais m'en sortir à tout tester, moi. Jamais. Je comprends pas comment je vais faire tout ça. Ah, encore un petit nœud. Je garde les petits nœuds. Alors, j'essaie d'éparpiller un peu pour savoir m'y retrouver. C'est mini, mais c'est joli. 23. Comme ça, bah, c'est pas si mini que ça. Hein. On arrive au bout, les gars. C'est un peu long, hein, mais on s'en fout. Je verrai ce que je sais couper au montage, mais Manon, elle a envie de voir. Mais là, elle m'énerve. C'est la mini gold palette de chez Natacha Denona. Elle exagère, vraiment. Là, j'ai envie de te casser la gueule encore. Hein. J'ai envie de te casser la gueule depuis tout à l'heure, hein, et je ne le dis pas. Les couleurs sont sympatoches. Hein. Ici, c'est pas vraiment... Si, c'est un kaki très clair. Très joli. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Living My Best Light 24. Ça, c'est le trio Polaris. Voilà. Ça, je savais qu'elle allait me prendre. Je crois que c'est le dernier truc que je savais qu'elle allait me prendre. Donc, vous voyez, il n'avait pas tant. Voilà. J'avais raison. Je l'ai commandé, en fait, quand ils étaient en promo. Et mais, non, tu peux pas. Tu peux pas. J'adore ces fards, les kits de chez Beauty Bay. Et le kit était vraiment très beau. Sur la sortie d'avant, il y en a quelques-uns que j'ai pas acheté. Il y en a quand même deux que j'ai acheté sur les 6. Là, ils ont sorti qu'un nouveau kit de 3. Mais qui sont bien joli. Donc, on a celui-ci qui est le... Alors, attendez, il faut que j'arrive à lire la teinte parce que c'est écrit... Oh, ben, c'est pas écrit, d'ailleurs. Ah si, bon, c'est pas bien lire. C'est le saphir, je crois. Enfin, il y a un bleu foncé, comme ça. Un violet qui est l'améthyste. Ouais. Et celui-ci qui est le... Owlite. Ouais, ça doit être comme ça. Un bleu un peu plus... plus vif. Ah, c'est trop. Là, 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 là. Vous avez remarqué, j'ai pas beaucoup dit que je vais lui casser la gueule. Hein. Mais après, je vais lui envoyer un message et je vais lui démonter la tête. 25. Il devrait te plaire, ce sont tes odeurs préférées. 25. Ça va plus vite quand même que quand on doit déballer un par jour. C'est plus vite que ça, gueule. C'est un parfum de chez Pink. Amber Crystal et Vanille. Ah, moi, dès qu'il y a de l'ombre, ça marche. Ça, il n'y a pas de tout ça. Trop beau, la bouteille. Oh, mon Dieu. Oh, j'adore. Oh, mais de toute façon, l'ombre, moi, ça fait mouche, je vois. Il n'y a pas de souci. Oh, j'adore. Ah, je ne sais même plus quoi déballer tellement je suis chamboulée.
26, tout ce que tu aimes en un. 28, 26. C'est un petit machin comme ça. Tout ce que tu aimes en un. J'aime quoi, mon tout? Les paillettes. C'est du ABH. Et c'est des paillettes. Des paillettes Anastasia. C'est la teinte Color Wave. C'est ça, hein, ça peut être ça. Donc ce sont des vertes. Bien évidemment. C'est vrai que j'aime beaucoup les paillettes Anastasia. Elle me les a fait découvrir dans l'autre swap. Et c'est une qualité, mon Dieu. Comme les NYX, hein. Ce NYX, elles sont aussi. Elles sont très belles. Ouh, j'adore. C'est ouais, vert un peu kaki comme ça. Ouh, j'adore. J'adore. Mais il y a trop de choses. Je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser en premier, moi. Bon, il reste deux paquets. Le 29. Ah non, le 27, hein, le 30. Mais le 28. J'ai encore fait une boulette ou quoi? J'ai tout déballé. Là. Attendez. Ah non, ici. Attendez, je vais virer ça. J'essaye de voir un peu plus clair. Alors. Mais j'ai pas eu le bonus 2. Ni le bonus 3. Ah, c'était peut-être un bonus alors ça. Ok. De toute façon, après, je vais refouiller un peu tous les papiers pour être sûr de ne pas m'être planté quelque part. Mais je ne sais plus où j'en suis. C'est trop pour moi, là. Trop. Alors, 27. Pour des yeux de biche. Je prends mon ciseau parce que j'ai plus la force de déballer. Des fossiles. Ah, génial! Elle m'a remis les Splash Gatsby. Alors, ils sont beaucoup trop longs pour moi. Mais je les adore, ces fossiles. Et je les ai perdus. Je ne sais pas comment. Je les avais enlevés sur mon bureau. Et à mon avis, en rangeant un peu, je les ai jetés à la poubelle. Et je lui ai dit, putain, je suis dégoûtée. Ils étaient tellement beaux. Du coup, elle me les a remis. Et ensuite, de chez Primark Exclusif, Girl with Attitude. Je crois que c'est le nom. Ils sont très beaux aussi. Donc voilà, écoutez, on testera ça. Ils sont très 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 beaux. Ils sont un peu dans le même style que les Gatsby, mais un peu moins longs. Mais ils ont plusieurs courbures différentes, en fait, les Gatsby. Là, ils sont canons. Je les adore. Je les adore. Donc je suis bien contente d'en avoir une paire. Je vais faire gaffe de ne pas les perdre cette fois-ci. Je vais essayer. 28. Mon chouchou. Ah, c'est son blush bourgeois. c'est le rose d'or. C'est vrai qu'elle l'adore. Elle l'utilise tout le temps. C'est un rose lumineux, un rose gold en fait. Donc il est ici en dessous. Oh, mais ils sont bons. Oh la vache, ils sont super bons. C'est vrai qu'elle l'aime beaucoup, je le sais. Voilà. Il a l'air très beau, très effet bonne mine. J'ai réussi à en trouver, mais pas tous. 29. C'est encore des masques. C'est des masques. Oh, c'est les masques la collection Essence Cicatrice Vilain et Princesse. Excellent. Donc, il y a Maléfique de chez Catrice et les Vilains et Ursula. Et il y a Aurore et Blanche-Neige en Essence Princesse. Excellent. J'adore. J'adore. Mais moi, je ne les ai pas pris du tout. Ils étaient même pas en vente, en fait, quand moi j'ai passé commande. Et ensuite, la plus attendue, enfin, la plus attendue, je pense, pour la fin.
Donc c'est ceci. Je pense que c'est une palette de la taille du bazar. Il y a un petit nœud que je récupère de suite. Je coupe. C'est vrai que j'avais oublié, mais... Silanis Utopia. Voilà, voilà. C'est vrai qu'elle me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'œil, celle-ci. Oh, mais c'est encore scellé. Ils sont chiants. Voilà. Je crois que c'est bon. J'ai du scotch absolument partout, mais je crois que c'est bon. Oui. Alors. Oh. Qu'est-ce qu'elle est, Yuli ? Franchement, il y a pas mal de possibilités avec celle-ci. Hein. Ce sera un make-up trop look avec celle-ci, hein, c'est clair. Vraiment, les teintes, les deux ici m'interpellent depuis le début. Celui-ci, bien évidemment. Le bleu canard ici. Là, il y a un gris. Il y a un kaki ici. Wow, trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Et je sais qu'elle l'a, elle l'a pris pour elle et qu'elle l'aime beaucoup aussi. Donc, voilà, très joli. J'ai vraiment hâte de tester tout ça, mais comment je vais faire pour tester tout ça? Parce que là, la semaine prochaine, on se retrouve tous les jours pour la semaine de la Saint-Valentin. Je pense qu'après, parce que là, vous allez avoir un crash test vendredi, je pense qu'après, on va se retrouver pour pas mal de swatch and make-up. Voilà. Au moins déjà pour la... Il y a trop de palettes. Il y a trop de choses. Il y a la Jeffree Star, la petite Natasha Denona, la Magic, la Book of Magic... Les deux Morphy. Je vois même plus ce que j'ai eu tellement j'ai des papiers partout. C'est un truc de fou. La petite Natasha Denona, on la testera dans le crash test du swap. Voilà. Les autres, on fera des swatches de make-up. Voilà. Moi, je dis, c'est une bonne idée, tout ça. Bref. Ben, Manon... T'as beaucoup exagéré. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Je suis tissulée. Je sais pas ce qui m'a pris. Je vais quand même revérifier dans le carton. Hein, pour être sûr de rien jeter que j'aurais pas dû. Donc j'espère que tu me pardonnes mon petit cafouillage de lecture et de déballage. Je te dis un énorme, énorme, mais énorme merci. J'ai envie de tout essayer. J'ai juste envie d'aller me démaquiller. Bon, de toute façon, ça sera pas du tout ce que je me démaquille. Hein. J'ai la... La face complètement défraîchie, mais j'ai envie de tout essayer. Je peux pas tout essayer, mais j'ai envie de tout essayer. Voilà, il y a tout qui me plaît. C'est magnifique. C'est. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Maintenant, il faut que je range mon bordel si je veux crash tester tout ça demain. J'espère surtout que ton swap t'aura plu aussi. J'ai tellement hâte de voir ta vidéo. Voilà. Je t'adore, tu le sais. C'est plus une surprise pour personne. Voilà. Je vais arrêter là. Le reste, on se dira en privé tout à l'heure. Je vous remercie à tous d'avoir passé autant de temps avec moi à déballer ce swap. J'espère que ça vous fera plaisir d'avoir regardé. Et je suis un peu fatiguée et chamboulée. Donc, j'ai toujours froid. Hein. Mais voilà, je suis un peu perdue. Je vais regrouper tout ça. Je sens que je vais halluciner une fois que tout sera regroupé. Tant mieux fou. Bref, donc sur ce, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, voilà, pour dire à Manon que son swap est magnifique. À me laisser un commentaire aussi pour me dire ce que vous pensez, s'il y a des produits que vous avez, que j'ai pas encore testé, que vous adorez, ou des choses comme ça. Voilà, tout ça, vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne. C'est gratuit, ça coûte absolument rien. Et moi, ça me fait super plaisir, donc on est content. Je suis fatiguée, hein. Mais ça, on fera comme si c'était pas très grave. Et en attendant, vendredi, pour le crash test, de tout ça, je vous dis bisous, bisous.